Agressé par un chauffeur Uber à son retour en France, Jazz Correia s'exprime et dévoile tous les détails de sa mésaventure. On vous dit tout, Jazz Correia agressé par un chauffeur Uber. Il y a quelques jours, Jazz Correia est rentré en France pour passer quelques jours de vacances en compagnie de ses proches. Mais malheureusement pour la mère de famille, ses séjours en France sont souvent rythmés par des mésaventures. Et il y a peu. Jazz s'est confiée sur l'agression dont elle a été victime par un chauffeur Uber, alors qu'elle se rendait quelque part avec Léa. Les deux jeunes femmes se sont retrouvées avec un chauffeur pas très commode. En effet, ce dernier s'est très vite montré insultant et menaçant, et a même failli en venir aux mains. Encore sous le choc, Jazz a pris la parole en story pour raconter sa mésaventure. Comme vous le savez, je suis en France encore pour 2 jours. Et clairement, il vient de m'arriver une dinguerie. Donc je prends un Uber devant chez moi et il me demande s'il peut faire demi-tour en bas, donc je lui dis franchement aucune idée, je ne sais pas, commence-t-elle. Jazz se confie sur sa mésaventure, avant d'ajouter, donc il commence à râler, oui non mais si je vais en bas et que je reste bloqué, mais monsieur je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne dis rien. Ensuite il roule. Il prend un chemin à droite et il me dit, ouais c'est par là la route. Et moi je dis, je ne sais pas monsieur, c'est vous le chauffeur, ce n'est pas moi, et là il pète un câble, il commence à s'exciter, il commence à me hurler dessus je ne sais pas quoi. Je lui dis, non mais vous vous calmez là en fait. Il me dit, non vous ne me manquez pas de respect. Je lui dis, mais quel manque de respect monsieur, ça fait 2 fois que vous me posez des questions je ne sais pas. Il me dit, tu crois que je suis ton chauffeur privé? Mais ce n'est pas tout. Celle qui a failli arrêter la JLC Family continue ensuite en expliquant, Léa elle essaye de lui dire, non mais regardez monsieur là il vous dit d'y aller le chemin, non mais moi je ne prends pas ce chemin si je reste bloqué après je fais comment. Léa elle lui dit, après monsieur moi je n'en sais rien il vous indique cette route, si ce n'est pas bon ben je ne sais pas, le mec il roule, il recommence, il râle. Point.